الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعلى عاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فأدن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. Tu as fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé encore une fois cette opportunité, cette occasion de venir bientôt à la masjid. Pour chaque pas qu'on fait, on vient à la masjid, on est récompensé. En attendant la salat, les gens font droit pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte notre sacrifice. Chers frères d'Islam, aujourd'hui, nous traversons une période de chaleur qui parfois est très difficile, parfois la chaleur est très intense et difficile à supporter. Et parfois donc cela nous a gêné, cette chaleur estivale nous a gêné. Mais le musulman, dans chaque situation, il essaie de tirer des leçons. Chaque situation de sa vie, il essaie de tirer des leçons, comme le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Que dans la création des cieux et de la terre, dans la création de l'univers, donc il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Donc, dans tous les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu devant nous, on doit réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, donc, pour nous aider à passer cette saison de chaleur et à le comprendre, nous allons essayer de voir les différentes sources de chaleur qu'il y a. On va traiter un peu aujourd'hui sur la chaleur de saison, le soleil, la fièvre et le feu, et leur place dans l'islam. C'est-à-dire, à travers le Coran et les hadiths, nous allons comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a mis ses épreuves ici-là. Et aussi l'attitude du musulman dans ces saisons difficiles-là. Concernant la chaleur de saison, de le hadith que je citais au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: que l'enfer, il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est plaint à son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô mon Seigneur, akala ba'di ba'da, que je m'auto-détruis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi-même, les flammes à l'intérieur de moi-même, elles sont en train de se manger. Je suis en train de me détruire. C'est-à-dire que j'en suis en train de souffrir de mes flammes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a autorisé, pour soulager un peu, qu'est-ce qu'il a dit? Binafasain, deux souffles, deux respirations. Un souffle pour l'été, en été, deux souffles par an. Un souffle pour l'été, nafasun fi sayf wa nafasun fi shita, et un souffle en hiver. On comprend de ce hadith que, et le hadith continue, il dit que lorsque dans l'été, le plus haut degré de chaleur arrive en été, le pic de chaleur qui arrive dans notre région, c'est là que ce souffle, le premier souffle de l'enfer, atteint notre région. Et le plus bas degré en hiver, lorsqu'il fait le plus froid en hiver, ça c'est le deuxième souffle qui atteint notre région, que le souffle de l'enfer, il atteint notre région durant cet hiver-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith que إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. Que lorsqu'il y a une chaleur intense, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage, lorsqu'il a dit ça, il avait dit à Abu Dhar, donc il était en voyage, il faisait très chaud, c'était à l'heure de Dhuhr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar d'attendre. أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, c'est-à-dire attends à refaire la fin de Zohar parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud
et les gens ne pourront pas supporter que le sol ici qui est très chaud. Il dit attends un instant, et après donner la vente pour la salat au bord. Et le prophète il a dit que cette forte chaleur c'est une émanation de l'enfer. Donc mes chers frères, ici donc de ce monde pour pouvoir supporter cette chaleur là, on utilise les moyens qu'Allah SWT a mis à disposition, le ventilateur, le climatiseur, on se rafraîchit, on boit de l'eau, etc. C'est pour passer cette saison-là dans un confort, pour pouvoir passer là, cette saison de chaleur, bien. Mais qu'avons-nous préparé pour le feu du Jahannam? Est-ce qu'on a préparé assez de bonnes actions pour ne pas passer par cette étape-là? A-t-on suffisamment de travail, de bonnes actions acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir échapper? Est-ce que nos salats sont parfaites? Est-ce que notre zakat, on le donne chaque année? Est-ce que dans notre prière, nous sommes assez concentrés? Est-ce que nous donnons la sadaqa? Est-ce qu'on fait la médisance sur quelqu'un ou on parle en bien sur cette personne-là? Donc, toutes ces actions-là, si on a fait des mauvaises actions et si on n'a pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, et si Allah ne nous a pas pardonné, alors ces gens, les anges qui ont déjà écrit ces actions qu'on a fait, ces actions qui seront lues le jour de Qiyamah, mais si Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, mais s'il n'a pas pardonné, donc on sera obligé de passer quelque temps dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. On ne sait pas combien d'années pour un certain salat qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas remplacé. Donc, à nous de réfléchir là-dessus. Donc, cette chaleur qu'il y a dans ce monde, c'est juste pour nous rappeler. C'est pour nous rappeler que ça, ce n'est qu'un souffle. Une respiration de l'enfer qui atteint la terre. Ce n'est qu'un souffle. Mais quel degré il y a là-bas? Donc, lorsqu'il y a ces périodes-là, donc on résiste pour qu'on réfléchisse que notre vie, le but, ce n'est pas de ce monde-là. Il y aura une vie après la mort et la vie de l'akhirat, ça c'est notre vie. Deuxième chose, il y a le soleil qui nous amène de la chaleur. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que donc ce soleil-là qui a des années lumière de nous. Alors est-ce qu'on peut rester par exemple 1 heure, 2 heures ou même 3 heures? On reste au soleil immobile sans rien. Ça va nous brûler la peau, ça va nous faire mal. Alors ce soleil-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le jour de Qiyamah, ce soleil va descendre sur la tête de l'être humain jusqu'à ce qu'il arrive, lorsqu'il atteint une distance d'un miqdar mil. Alors, le Sahaba dit que le mil n'a pas été clairement défini, donc il y a deux significations, soit c'est la distance du mal, c'est-à-dire environ, si je ne me trompe pas, 8 km et quelques, ou sinon c'est un instrument que les docteurs utilisaient pour déterminer la profondeur d'une blessure dans la tête qu'on appelle le bâtonnet de Rimmel. Donc, ça c'est pas le but. Le but c'est que le soleil sera près de nous, bien sûr on pourra supporter ça. Si dans ce monde on ne peut pas supporter cette chaleur du soleil-là, alors qu'en est-il du jour de Qiyamah? Donc pour pouvoir supporter ceci, le jour de Qiyamah, c'est d'après les versions de Hadith, il continue en disant que les gens seront dans leur sueur à cause de cette chaleur-là. Donc si atteint la sueur, atteindront la cheville, ou bien les jambes, ou bien les hanches, ou bien jusqu'au cou, c'est par rapport aux bonnes actions qu'il a fait, donc il y aura moins de chaleur à subir. Et il faut savoir que le jour de Qiyamah, il y a une solution. Parce qu'il y a l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement quelques personnes auront cette chance-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe parmi ces personnes-là. Donc parmi ces personnes-là, donc, maintes fois on a déjà rappelé, c'est le imam Adil, le chef qui est équitable, bien un jeune homme qui a grandi, qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, un homme dont le cœur est attaché à la masjid, ou bien deux personnes qui se rencontrent et qui se séparent uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous ici, nous sommes venus faire la salat uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. On va quitter la masjid en faisant plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette action-là. Une personne qui donne le mal si discrètement que la main gauche ne sait même pas ce que la main droite il a donné, et un homme, donc une femme qui a
un haut vent qui est riche et qui l'appelle à faire le zina, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a encore pouvoir, j'ai la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces personnes-là, et celui qui fait dua, c'est aussi dit, celui qui fait beaucoup de dua et qui pleut dans ses dua, lui aussi, inshallah, il sera à l'ombre de ce tremblement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ces gens. Autre chaleur qui peut nous atteindre, cette fois-ci n'importe quelle saison, s'il y a le soleil, il n'y a pas le soleil, c'est la fièvre. La fièvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Al-Humma min rih jahannam fa abriduha bil ma, que la fièvre, c'est une émanation du feu de l'enfer. Calmez-le et refroidissez-le avec de l'eau. Si c'est une fièvre extérieure, de mettre des compresses d'eau sur le visage. Si c'est une fièvre intérieure, de boire beaucoup d'eau pour que ça refroidisse un peu à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté aussi que l'aide par rapport à une sahabia qui a maudit la fièvre, qu'il a dit la tusik bil humma fa innaha tudriku khataya bani adam kama yudriku al-kir khabath al-hadid. Que la fièvre, c'est quoi? La fièvre, c'est comme ça efface les péchés de bani adam, comme le forgeron lorsqu'il enlève la rouille sur le fer. Alors la fièvre, il efface ces péchés-là. Donc ça aussi, c'est, on le voit que c'est, ça nous fait du mal, mais en fait ça efface le péché qu'on a fait de ce monde. Et pour terminer, donc obstacle de chaleur, c'est le feu. Le feu en lui-même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran, أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Ensuite il continue. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم للمقيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que voyez-vous donc le feu que vous obtenez par force, le feu qu'on utilise tous les jours pour faire du thé, pour faire la cuisine, qu'on utilise tous les jours matin jusqu'au soir. Voyez-vous ce feu-là? Nous l'avons fait un rappel par rapport au feu de l'enfer. Et c'est un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Combien de précautions on prend lorsqu'on allume un feu? On fait attention que ça ne brûle pas les choses qui sont autour. Notre enfant, s'il vient devant ce feu-là, combien de précautions on prend? Et combien de précautions on a pris pour notre enfant qui ne soit pas brûlé par le feu de l'enfer? Ce feu qui est dans ce monde, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Narum hadhihi yuqidu bani adam juz'un wahid min 70 juz'a » Que ce feu qui est dans ce monde-là, ce n'est que de lui. Parmi les 70 degrés du feu de l'enfer. Ce 1 degré-là qui nous brûle, si on se brûle par le feu, hein, combien de blessures il y a, combien de douleurs il y a. Ça, c'est 1 degré. Mais le feu, il a 70 degrés comme ça. Le deuxième, le troisième, le cinquième degré de ce feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, pour terminer, il y a le du'a que le Prophète nous a appris. Lorsqu'il y a beaucoup de chaleur, Allahumma ajini min hal jahannam, ou Allah préserve-nous de chaleur intense de l'enfer. Et lorsqu'il fait très froid aussi, Allahumma ajini min zamhari jahannam, ou Allah préserve-nous du froid glacial, du froid intense de l'enfer. Et aussi, les conseils aussi de faire beaucoup de du'a, de faire beaucoup de bonnes actions. Parce que lorsque la pluie ne tombe pas, c'est par rapport aux personnes de la localité. Dans la localité, il y a beaucoup de personnes qui font le péché, mais qui ne demandent pas pardon pour ces péchés-là. Alors l'eau est retenue. L'eau est retenue. Même si on va faire la salat, les sisters, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie, c'est bien, mais seulement il faut l'effort derrière. Il faut que les gens de la localité prennent conscience qu'il faut diminuer les péchés ou bien demander pardon pour les péchés pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la bénédiction de la pluie qui nous est bénéfique. Donc pour terminer, donc nous avons vu quelques sources de chaleur avec les hadiths. Pourquoi il y a une forte chaleur? Donc c'est ces deux souffles de l'enfer. Et comment supporter ceci, donc de faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala et le soleil, donc de réfléchir le soleil qui est loin de nous, comment il nous brûle. Alors le jour de Qiyamah, donc comment se préserver, comment être à l'ombre du temps d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi le feu de ce monde, la fièvre, etc. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de quelques paroles et surtout de mettre en pratique, hein, donc de ne pas seulement dire qu'il fait chaud, mais de réfléchir là-dessus. La chaleur va passer, mais c'est juste pour réfléchir que cette vie-là, c'est pas notre vie. Notre vie, c'est notre monde, et on doit se préserver du péché pour ne pas entrer dans l'enfer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, même pour ensuite de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.